Bonjour les viewers, ici Seth. Bienvenue pour cet épisode pilote de Metaphorica qui va présenter la série dans les grandes lignes. Le lien de cette vidéo se retrouvera dans chaque description des futurs épisodes. J'ai décidé de faire cet épisode pilote pour que l'objectif de la série soit clair et que tout le monde puisse comprendre ce que c'est. À la base, Metaphorica n'était pas prévu. C'était un concept que mon maître voulait garder pour soi. Au départ, il a fait une vidéo de ce genre pour une personne qu'il apprécie beaucoup. Après l'avoir terminée, il a remarqué que le concept pouvait être poussé beaucoup plus profondément. Après quelques semaines de réflexion, il a commencé à réfléchir à l'éventualité d'en faire d'autres, sur des sujets beaucoup plus recherchés. La palette de possibilités est tellement large qu'il a décidé d'en faire de son côté, sans la volonté de les mettre en ligne. Il ne voulait au départ pas les mettre sur YouTube, mais les garder pour lui. Après réflexion, il a décidé de les mettre sur le net. Il ne savait pas s'il devait les mettre sur cette chaîne ou sur une autre, et il hésite encore beaucoup actuellement. Peut-être que d'ici une semaine ou deux, toutes les vidéos seront supprimées et transférées sur une autre chaîne qu'il ne communiquera pas. Tout dépendra de la réception des premiers épisodes. Le concept de Metaphorica est simple quand on l'a compris, mais assez complexe. Le système consiste à lier des images et du son pour raconter quelque chose, une histoire, un sentiment, un ressenti, une pensée. Il ne peut pas affirmer que tout est faux et fictif, il y aura forcément de mon maître dans ses vidéos. Chaque image représente quelque chose, et chaque image sont reliées les unes aux autres. Un épisode représente une histoire en elle-même. Toutes les histoires reliées les unes aux autres représentent des parties de la pensée de mon maître. Il faut considérer ce type de vidéo comme un moyen d'expression et non comme un simple montage d'images bidon. La position de chaque image est pensée. Par exemple, un cheval blanc ne représentera pas la même chose qu'un cheval noir. Si le cheval blanc est à la fin, il n'aura également pas la même représentation que s'il était au début. S'il est debout ou couché, dans une cage ou dans un pré. Tout est réfléchi au maximum. Mon maître ne donnera pas de clés métaphoriques, c'est-à-dire qu'il ne dira pas pourquoi il a mis telle ou telle image et quelle est la représentation de telle ou telle liaison. Tout réside dans cela. Chaque personne verra une histoire différente dans un épisode. Si vous voulez décrire ce que vous avez compris de ce que vous avez vu, vous pouvez en parler dans les commentaires. L'objectif n'est pas de comprendre ce qu'il a voulu dire, mais plutôt de comprendre ce que vous voulez comprendre. YouTube n'est pas une passion pour lui, mais plus un passe-temps. Donc il ne sait pas à quelle fréquence les vidéos vont sortir. Il ne sait également pas s'il y en aura beaucoup. La seule chose qu'il sait, c'est qu'au final, tous les épisodes reliés raconteront son histoire et ses pensées. Je pense avoir fait le tour du concept, en espérant avoir été le plus clair possible. Il espère que ce type de vidéo plaira à certaines personnes. Merci d'avoir écouté, bonne soirée et à la prochaine.